la formation demandée pour être collaborateur comptable, généralement elle passe par un BTS au minimum, ce sera généralement un BTS compta-gestion, suivi après d'un diplôme d'État, un diplôme officiel qui s'appelle le DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, suivi pourquoi pas d'un DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui est en fait un niveau BAC plus 5, mais également en parallèle on peut tout à fait faire une licence, il y a différentes licences en comptabilité et gestion avec des masters aussi équivalents. Donc ça va finalement d'un BAC plus 2 à un BAC plus 5. Un collaborateur comptable, il a deux missions principales. La première sera évidemment la production des états financiers de son portefeuille d'entreprise cliente. Donc ça va aller du bilan, de l'alias fiscal, le compte de résultat. À côté de ça, il y a une deuxième mission qui est extrêmement importante, qui est forcément le conseil auprès de ses entreprises clientes, de son portefeuille. Ce sera des conseils sur tout niveau en fonction de la lecture qu'il a fait de ces chiffres-là et de l'analyse de tous ces documents, le bilan, le compte de résultat, etc. Pour être collaborateur comptable, évidemment, il faut aimer les chiffres, il faut être à l'aise avec les chiffres, il faut pouvoir les analyser derrière pour pouvoir proposer un niveau de conseil à ses clients. En termes de compétences, on parle aussi forcément de tout ce qui était vu pendant les années d'études et les diplômes, c'est-à-dire toutes les connaissances fiscales et légales en lien avec la comptabilité. Sur les qualités, moi, je dirais que ce que les experts comptables recherchent beaucoup chez les collaborateurs comptables, ça va être du dynamisme, de la polyvalence, parce qu'on va leur demander de passer d'un sujet à un autre assez rapidement, et surtout pouvoir prodiguer un bon conseil client, pouvoir rassurer ses clients et être disponible pour eux. Alors, bon, il y a clairement deux attentes pour les entreprises, encore une fois deux volets. Le premier, qui est en lien avec la production des états financiers, c'est une obligation légale et une attente légale des entreprises. L'autre volet, qui est finalement la plus-value du collaborateur comptable, c'est de prodiguer un niveau de conseil élevé et individualisé pour chaque client de son portefeuille. Ça peut aller de conseiller l'agriculteur sur comment passer sa jument d'un stock à une immobilisation, jusqu'à optimiser le chiffre d'affaires du micro-entrepreneur pour baisser son imposition sur le revenu. Donc on est vraiment sur un niveau de conseil qui est large, varié et surtout individualisé en fonction de chaque collaborateur. Ce qu'on demande vraiment, c'est le collaborateur comptable, il lit les chiffres pour optimiser l'entreprise. Le salaire d'un collaborateur comptable, il va varier en fonction de plusieurs critères. L'expérience, le niveau de diplôme, sa capacité à pouvoir gérer un portefeuille en autonomie et parfois aussi la taille de la structure. Ça va varier en province de 25 à 35 et en région parisienne, ça va pouvoir monter jusqu'à parfois 40 ou 42. Là, on se parle en fixe annuel brut, évidemment. Et après, en fonction des cabinets, vous allez avoir plus ou moins d'avantages. Ça va être parfois des primes individuelles, ce qu'on appelle des primes bilan lors de la période fiscale, mais ça va aussi être pour des grosses structures, l'intéressement, la participation, etc. Alors, la perspective d'évolution classique pour un collaborateur comptable en cabinet, ça va être de passer sur un poste de chef de mission où, en gros, il va faire un peu moins de production pure. Il va à la place faire ce qu'on appelle la révision, donc contrôler le travail de ses collaborateurs, également les manager et aussi passer plus de temps à conseiller ses clients et aller les rencontrer. Le collaborateur comptable aussi peut faire le grand saut vers l'entreprise, passer du cabinet à l'entreprise. Et là, pour le coup, une plus large panoplie de postes peuvent convenir. On peut aller du comptable général jusqu'à l'adjoint au RAF et même aller sur des métiers plus précis, plus techniques. Je pense par exemple à des métiers en lien avec la consolidation.